Danse avec les stars, Masque Singer, Camille et Images. D'ordinaire, c'est classe égale à HRL Camille Combal qui reçoit. Samedi soir, il était l'invité de l'émission La Chanson Secrète. Surpris par sa mère et ses proches, le présentateur n'a pas pu cacher son émotion. Un nouveau numéro de La Chanson Secrète était diffusé ce samedi 4 septembre 2021. Camille Combal en était un des guests et a pris place sur le fauteuil des invités pour découvrir sa surprise. Confortablement assis, il a d'abord entendu la voix de sa maman, qui lui a enregistré un message. « Coucou mon Camille, nous sommes au chalet que toute la famille affectionne tant. Je suis si heureuse car je repense à tous ces moments que nous avons partagés ensemble ici et qui ont rendu ce lieu magique. Tes amis, aussi, y ont contribué. J'aime savoir que tous vos beaux souvenirs sont ici. D'ailleurs Camille, est-ce que tu viens pour les vacances ? » a-t-elle demandé à son fils. Ainsi, la mère de Camille a lancé les amis du présentateur télé, arrivés sur scène pour interpréter la chanson « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» de David et Jonathan. « Ma mère, comme toutes les mamans, elle passe son temps à me dire « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Je remercie ma maman qui a mis le petit message. Ça me touche, je suis très touchée. C'est très gentil, a ensuite réagi un Camille Combal très ému face au maître de cérémonie, Nikos Aliaga. Camille Combal est très proche de sa maman, à qui il a récemment souhaité un joyeux anniversaire sur Instagram. L'animateur radio la met également en scène dans des vidéos de recettes de cuisine. Également publié sur Instagram, où il compte plus d'un million d'abonnés. Avant cette apparition dans La Chanson Secrète, Camille Combal a révélé dans une interview accordée à l'équipe qu'il souffrait d'une maladie génétique assez répandue, la kératocone. Mes deux cornées sont convexes, il faut les remplacer par des greffes. Un œil est déjà opéré et je ferai prochainement le second. Avait-il précisé au quotidien sportif. Quand tu es greffé, tu passes un an sans sport pour que ton œil cicatrise bien. Je me suis aussi engagée à ne pas pratiquer de disciplines extrêmes ou violentes. Quelqu'un m'a donné un morceau de lui, je dois respecter ce geste. Guillaumet.